Hapa nabeba hii picha ya President National Vital Kamerhe kuona ameachwa huru. Ndio kwa maana nabeba hii picha kwake. Chobu.
Mimi nabeba picha Kamere, mimi ni mwana memba wa President National Kamere. Eleza maneno, ueleze kwa nini. Sema. Sisi tunafurahi sana kuona President wetu ameachwa huru. Ndio kwa maana tunafurahi sana kabisa. Na ndio kwa maana tunatia hii picha yake hapa ili watu wote waone kabisa. Na mimi niko na neno bwana. Unaelekeza wapi? Hapa tuko sasa hapa ku interfederation, tunataka ku federation, tunataka jelekeza mu vile ya Goma ili tucherekee. Tueleze kwa nini unachukua hiyo tang? Itala mimi naichukua, itale kwenda tafuta badui yake na Vital Kamerhe. Beba aliachaka nafungiwa na mimi nayo jana balijificha. Sasa kwa sasa itale kwenda batafuta kokote kwa balijificha. Itale kwa na batafuta, tutabashika, itabafumbula. Na fimbo ya kubapiga hii, saa tutabakamata. Wazee kwa kusema fimbo na shikoti. Na kama naona niko na sifle mshingo, njoo hii. Hii sifle nasema hivi. Macho ilisha jana, hakuna tena. Bia kusema honi kwa juwere fulani, itacheza. Mchezo wa kuchezea Vital Kamerhe siasa mubaya iliisha jana. Hapa chetu tunalomba sasa kwa akili na uwezo iko nao Mwenyezi Mungu alimupa. Tunamhitaji atumikie nchi yake jinsi alikuwa. Na tuko na imani mai guvernemato atatumika na nchi inaenda kuwa bie. Vital Kamerhe iko leo alitumikia nchi miaka ya kutosha na anaendelea kuitumikia. Na President Tshisekedi pekee alisema Kongo iko na lazima Vital Kamerhe sana. Na ndio kwa maana na sisi tunamwambia Kamerhe wende mbele tuko nyuma yako. Na yote patakatala. Patakatala. Fimbo hii. Fimbo hii. Aende fimbo. Bado maoneshe tale ya kubatafuta kwa banajificha. Na mimi nakwambia na fimbo hii itabapiga yote matakatala Kamerhe asata mchezea tena siasa mchafu ya kumfunga. Na sasa kwa kuachiliwa kwake mnajisikia namna gani? Kuachiliwa yake kwa kweli tulikuwa tuna maji tulikuwa tunangojea hii sana. Juu tulifuataka process yake au masambo yake. Alisemaka hakuna kokote kweko na kosa na tukaona hakuna kwa alikuwa na kosa. Akasema pièce contre pièce. Bakamwambia hivi. Bakamwambia kwa na rezo asipokuwa na rezo hata échapper. Kwa leo ameshape. Bale walisema hata échappé. Hapo ndio hata échappé sasa. Bila kulapia. Na kwa kweli Kamerhe suluhisha hapo. Suluhisha hapo. Uko na injira je sio uliza. Ifimbo. Wewe kwa nini? Bo asante sana kwanza. Na pa kwa kujipresente, mie ni mama Emerance Magaju, niko presidente wa Interfederation des Femmes INC Nord Kivu. Kwa leo tunafuraha sana, kubwa sana, tena sana, kuona maombi yetu ilisikidika na Mungu. Siba mama, tulifanya karibuni, mwaka na miezi, kadhaa munane tunaomba Mungu, atusaidie, mkubwa wetu wa chama, presida wetu Vital Kamerhe, afunguliwe sababu alikuwa inosa mambo yote yenye ilikuwa inasemeka. Na leo hii Mungu wa mbinguni alisikia maombi yetu. Na ndio maana unaona hapa mama yote wanaja hapa ku federation yetu ya vile ya Goma sana. Na tunaendelea kuomba Mungu amtoteshe asaidie nchi kutoka katika magumu inakuwa ndani. Tunajua ni mtu mwenye kuwa na akili. Ni mtu ambaye ana mafaa sana mwa hii nchi. Mungu mwenye anamtosha mshida yenye alikuwa ndani. Mungu mwalisikia maombi ya wamama, amutie nguvu, amuzidishie akili na hekima na afya nzuri ili aweze kusaidia kwa kutumikia nchi yake. Sasa mama, kuna watu wengine ambao wakufurahi kuona Kamerhe ametoka, wale wamesema ameiba pesa za nchi. Kwa maneno mnasema nini? Bo, bale ni bale, badui hawakosake mkila kitu. Kama mtu huko wa mafa, sababu wanasema mti ambayo inakuwa na matunda ya kuivya ndio wanatupia majiwe. Haezi pendewa na watu wote, kufungiwa alifungiwa inamaanisha kwamba iko pia na maadui. Na ndio maana shie bale ni bale, lakini shii tunashukuru Mungu pamoja omwe
na 70% population congolaise na furahi sana. Chie hatuyo bale, hatubayo hapo njoba na jijua watabakia na wadui yabo. Meye mimi naomba mkubwa awasamee, awasamee sababu walimsemea bongo. Na tulibakia tuko tunaombea mkubwa wetu, Mungu amsaidie siku moja haki ionekane. Na ndio maana tunasema Mungu asifue sana sana. Okay, kusema mama tuambie tunaona furahi. Ndio tunashukuru kwanza Mungu mu miaka yenye bali mukatia kuimaliza. Na kisha tunaomba tena Mungu amsaidie na mtie tena nguvu mpya. Anashuka huko akiasaidie population surtout. Juu alikufa juu ya population. Kuona na akili yenye iko nayo ndio maana bali taka bamumalizishe. Lakini juu Mungu wa mbinguni alikuwa kwa upande wake akamulinda akukufa. Cette fois-ci, tunashukuru na tunamuomba afungule naye akili juu Biblia inasema kama aseni nawapa akili mkuwe na akili kama nyoka, mkuwe na akili na busara kama nyoka. Angalia nyuma bianke ni baba abasamee sawa baba. Lakini ajua ngisi atatembea nabo. Alisema tukuwa na akili na busara tujua kuishi na mtu mubaya na kumutoka. Ndio maana atusaidie hii turu naye afungule akili na kwenye anatoka naye ni mtu. Ameona benye amepitia amo. Akuya tutaitika shie population kwanza ya huku kuweste. Hatutaitika. Asema sindikizane tena. Akumbuke kwenye anatoka na angali mateso watoto biko wanaishi. Na bajene abana na makazi. Banataka kumalizisha na kutaka kugabula inchi. Cette fois-ci Mungu anamusaidia. Alijua juu ya nina namufungula mwa hii eta. Yetu kuwamo. Ni Mungu alijua juu ya nina namufungula mwa hii wakati. Seke Mungu iko na objektife naye. Anataka tumikie inchi. Atusaidie. Bajene banaisha na mapombe. Bajene banaisha kukosa kazi. Bajene banaisha kuishiririwa tusa vile bana baba kamanza na maiwobo. Alafu unazala mtoto na mkomalisha unamsomesha me kwa mwisho hakuna na kazi. Kwa mwisho wa mkamata mbalabala wa mulapide maji wa seni maiwobo. Mama mwenye aliyebaka mimba miezi kenda. Hatutafurahi. Cette fois-ci Mungu anayua jua ni alimfungula kwa Isa atusaidia. Okay, tunashukuru journaliste na Mungu akubariki na kukinge. Amen. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je réponds au nom de Mouloume Baïdi Kaïdi, président national du club des amis de Tal Kamere, en même temps premier coordonnateur national en charge d'administration des associations au sein de l'INC. Une joie immense ce matin à la fédération de l'INC en Kivu. On peut savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Vraiment, comme vous le savez bien, je ne vis pas ici, je suis à Kin. Quand nous avions appris avec Elias que notre peine Vital Kamerhe a été acquittée, c'est pourquoi vous avez vu une masse, une foule venir accompagner la victoire du peuple congolais. Parce que ce n'est pas la victoire de Vital Kamerhe, c'est la victoire plutôt de la population congolaise qui n'attendait que son acquittement. Pensez-vous que l'acquittement de Kamerhe aura un impact ou bien Kamerhe a encore un rôle à jouer sur le plan politique dans ce pays? Certainement, comme l'avait dit le président de la République, Vital Kamerhe est un homme correct, un homme honnête, un homme intelligent. Et vu son expérience, il a un grand rôle à jouer dans ce pays. Comme vous le savez, la partie Est est en difficulté aujourd'hui. Et comme elle est en difficulté, la seule personne qui a l'agenda sur la sécurité de la RDC, il s'appelle l'honorable Vital Kamerhe. Il a proposé toute une litanie de pratiques, de stratégies sécuritaires. Et comme il vient d'être acquitté, nous croyons, nous, ses amis, nous croyons, nous, Congolais, qu'il va appliquer cela dans le gouvernement qui va venir. Et pensez-vous qu'il pourra occuper quel poste comme il vient d'être acquitté? Chez nous, ce n'est pas les postes qui font l'homme. Vital Kamerhe a toujours dit, c'est l'homme qui fait les postes. Même s'il serait nommé bourgmestre, toute la crème intellectuelle de la RDC voudrait être aussi bourgmestre. Parce que Vital Kamerhe, malgré ce qu'il va occuper dans ce pays, vous allez le voir à l'œuvre. Et pour nous, c'est trop tôt de commencer à dire qu'il va occuper tel ou tel autre poste. Parce que nous sommes en politique. Et nous attendons les affaires et les analyses politiques
qui sont en train d'être joués au niveau de Kinshasa. On sait qu'il y a eu des accords qui ont été signés, les accords de Nairobi entre Tshisekedi et Kamere. Là, je parle de l'INC et l'IDP pour former la coalition CASH. Pensez-vous que ces accords pourraient être maintenant respectés par le président Tshisekedi? Écoutez, le président Tshisekedi, c'est un homme de parole. Il a dit qu'il est, il a donné des qualificatifs à Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, ça se matérialise. Pour nous, du mouvement associatif, nous savons que nous avons notre candidat naturel aux élections 2023, c'est Vital Kamerhe. Alors, d'autres analyses qui peuvent se faire, des accords, des Nairobi et autres choses, laissons ces grands hommes vont se mettre ensemble et ils vont avoir une solution pour l'intérêt général de la population congolaise. Vous avez un message au président Tshisekedi? Le message au président Tshisekedi est que les mouvements associatifs que nous dirigeons au niveau national, les mouvements associatifs qui ont mouillé leur maillot pour demander l'acquittement de l'honorable Vital Kamerhe, nous félicitons le président de la République parce que lui-même a trouvé qu'il fallait qu'on recommence le procès. Et comme on a recommencé, et comme la justice congolaise a prouvé noir sur blanc que Vital Kamerhe est un homme correct, qui n'a jamais même touché quelque chose, un homme sérieux et honnête, et nous disons félicitations à son excellence le président de la République, mais nous lui disons de rester un homme serein et d'être toujours à côté de l'honorable Vital Kamerhe. Parce que les alliances qui peuvent se faire aujourd'hui, elles ne sont pas des alliances pour le bien de la population congolaise. Il a été en Genève avec Vital Kamerhe. On les a trahis. Une fois qu'ils sont rentrés en Afrique, ils se sont mis ensemble. Nous lui demandons seulement comme message d'être soudé avec son frère, son beau frère. Voilà ce que nous disons au président de la République. Merci. Voilà. Oh,
Nous sommes prêts à moyen.